Et bien le bonjour très cher ami Carpis, c'est Pêchemana sur Twitch, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse à vos questions. Vous étiez pas nombreux à répondre, à poser des questions pardon. Vous êtes 4, 4 et puis, mais bon, on va la faire tranquillement, je vais vous répondre, je suis sérieux. Dit c'est dit, je fais. On commence tout de suite par une petite question de Didi. Que recommandes-tu en appât naturel qui marche le mieux pour les cartes? Merci l'ami. Merci à toi pour ta question. Alors c'est simple, en appât naturel, il n'y en a pas 36 000. Moi ce que je recommande en appât naturel, c'est les terres de terre, les zèches de couleur, donc asticots, et le shenbi. Il n'y a rien de mieux. C'est ce qui marche le mieux sur toutes les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Tu peux pas te tromper. C'est le mieux. Enfin, moi, ce que je recommande après. Certains pêcheurs vont te dire non, ça nuit, ça c'est pas bon. Les asticots, c'est pas bon pour, les poissons, ils digèrent et tout. Après, voilà. Tu fais ce que tu veux. En vrai, le poisson, il digère très bien. Ne t'inquiète pas. Il y a pas de souci. Donc, vers de terre, asticots et chaîne vie. Donc, merci pour ta question. Ensuite, question de FC Gringo. Quel est le poisson que tu préfères le plus pêcher? Merci pour ta réponse. Eh ben, sans hésiter, la carpe, on va dire. Je suis carpiste, donc forcément, c'est tout de suite, tu vois. Ma photo de profil, c'est une carpe. Je parle que de carpe. Toutes mes vidéos sont en rapport avec les carpes. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien pêcher le blanc un peu. Donc, aller prendre ma petite canne fixe. Aller pêcher le gardon, la blette, la brème, tranquillement, tu vois. Mais ouais, on va dire, le poisson que je préfère pêcher le plus, c'est la carpe. Merci pour ta réponse, l'ami. Ensuite, question de Ensemble Tulip 45. Et quel est ton record au niveau des carpes? Je parle bien sûr de poids. Ah oui. Parce qu'en quantité de carpes, je ne pourrais pas te donner la réponse. Mais en poids, je peux te donner le record, bien sûr. C'est un amour blanc de 29 kilos. Voilà. Maintenant, il doit bien dépasser les 30. Ça fait un an que je n'ai pas pêché, mais généralement, chaque année, je l'ai fait. Je l'ai fait tous, une petite famille, le père, la mère et trois gosses. Généralement, je tape les 5 à la saison. Voire, je tape plusieurs fois. Donc voilà, le poids, ouais, donc c'est 28 kg l'amour blanc. Après, on a une carpe cuir à 26 kg qui suit derrière. Et après, les carpes miroirs, 20, 21, 22, 23, 24. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. En tout cas, merci pour ta réponse, ami. Et puis voilà, tu en sais un peu plus sur mes records. Ensuite, petite question de Nembo 68000. Salut, c'est moi qui viens d'habiter à Colmar. J'aimerais connaître des secteurs de nuit, même si c'est en canal, rivière, autour de Colmar. Si tu pourrais m'aider un peu plus, continue comme ça. T'inquiète et surtout, reste comme tu es. Eh ben, merci l'ami, merci, ça fait super plaisir. Merci pour ta question et puis merci pour tes petits compliments qui me touchent, qui me font plaisir. Alors, tu vas habiter sur Colmar. Je sais pas si tu connais un peu Colmar ou pas. Si jamais... Je vais te balancer des infos. Surtout, n'hésite pas. Si tu as la moindre question, si tu veux que je te cherche en voiture ou qu'on fasse une session ensemble, n'hésite pas. Viens en message privé, viens sur Messenger. Y a pas de souci, on s'arrange. J'aimerais connaître des secteurs de nuit. Des secteurs de nuit sur Colmar, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais qu'un. Moi, je pêche à la PPMA, la fraternelle de Colmar. Par contre, il y a le rival, en fait. Il y a deux APPMA qui s'aiment pas trop. C'est l'APPMA, la fraternelle, et l'APPMA, la truite. Par contre, je sais que la truite, ils font des pêches de nuit. C'est pas tout le temps. Je crois que c'est un week-end sur deux. Ils font des pêches nocturnes. Et franchement, il y a du beau fish. Et c'est un très, très bel étang. Autrement, secteur de nuit, après ce que je peux te proposer, hors de Colmar, c'est pas très, très loin. C'est direction l'Allemagne. Le Brisac, c'est la PPMA, c'est le Vauban. Je pourrais plus te dire le nom de la PPMA. On appelle ça le Vauban, mais je crois pas que c'est la PPMA, le Vauban. Je pourrais plus te dire quelle PPMA c'est. Mais le Vauban. Ils font pêche quand tu veux en fait. C'est ouvert 24h sur 24. Bon, il n'y a personne, tu vois, il n'y a pas de buvette ou un truc pour bouffer. Il n'y a personne en fait. Tu viens avec ta nourriture, en hiver, tu viens avec ton chauffage. Ton bibi, y a rien du tout en fait, tu vois. Il y a Lidl pas loin, mais bon, c'est quoi, kilomètre, même pas 800, 900 mètres. Mais là-bas, tu par exemple, tu viens le lundi à 7h, tu peux repartir le jeudi à 15h ou le vendredi à 18h. Ou,
Tu pêches comme tu veux. Le seul souci, enfin, le seul souci qu'il y a, c'est qu'il faut avoir la carte interfédérale. Donc c'est la toute grande carte où tu peux pêcher partout en France. Et ouais, c'est tout. En secteur de nuit, c'est tout ce que je peux te proposer. Après, en canal rivière, ça, tu oublies. Parce que la nuit, t'as les gardes de pêche, brigade verte sur Colmar. Ils te font chier. J'en ai déjà fait une fois à Lille, canal de Colmar. J'ai fait une petite pêche de nuit, j'ai fait un petit feu tranquillou bilou, j'étais avec mon oncle et ma femme. Et bon, on s'est fait choper quoi, mais c'était le matin quoi, donc ça allait, mais bon, on a passé toute la nuit, ils nous ont demandé si on est passé la nuit, on a dit non, mais bon, après voilà, c'est comme ça. On tente, mais si tu te fais choper, ça fait très très mal. Ça fait très mal. Ben, sur Colmar, c'est tout. Après les autres, je connais pas. Hein. Il y a des PMA à Sainte-Croix, je connais pas trop. C'est assez bizarre aussi leur truc là, c'est ouvert. 5 mois dans l'année, je crois, ça m'intéresse pas. Ensuite, t'as Binzenheim, tu pêches un poisson, faut que tu le payes. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu bizarres, mais. En tout cas, comme dit, tu vois, je t'ai proposé des trucs maintenant, si c'était clair pour Toi, c'est bien, si c'était pas clair, viens en message privé, surtout n'hésite pas, ou alors on s'appelle. sur Messenger, je te file mon numéro, on s'appelle, on se fait une petite session, je t'explique un peu comment ça se passe à Colmar. Après, si t'aimes bien les pêches de session en journée. T'as la pupille à la fraternelle, et ça, je te recommande à 100%, parce que j'y suis depuis 3-4 4 ans, et ans. puis c'est vraiment top. C'est ouvert le mercredi, le samedi, dimanche, jour férié. Par contre, les heures, je pourrais plus te dire. Je crois que c'est 6h, 20h en été, 7h, 17h en hiver. T'es vraiment tranquille. Franchement, t'es tranquille. Ils vont pas te casser la tête. Les gardes de pêche, ils sont au top. Je les connais. Ils sont vraiment nickel. Par contre, attention, ils sont carrés sur les règles. Le président, il est au top. Corsetti, vraiment au top. Et puis voilà, c'est vraiment tranquille, tranquille ou bilou. Par rapport à la truite, où la truite, c'est. T'as pas le droit de pêcher tout ce qui est appât au poisson parce que ça déforme le poisson alors que c'est pas vrai. T'as pas le droit aux hameçons. Faut avoir des hameçons sans ardillon. Après, tu peux comprendre, moi aussi je pêche sans ardillon. Mais les personnes qui commencent à pêcher, tu vois, ils ont pas l'habitude. Donc ils préfèrent piquer le poisson tout de suite, tu vois. L'ardillon, faut quand même avoir une certaine technique. Et puis, non, puis voilà. Surtout, n'hésite pas si t'as la moindre question, viens en message privé sur YouTube ou sur Messenger. Tu m'as contacté sur Messenger, donc viens sur Messenger, n'hésite pas. Et puis voilà. En tout cas, les amis, Je vous remercie pour les questions. On n'était pas nombreux, mais bon, après, C'est ma faute, j'étais pas là pendant un certain temps. j'en assume totalement les conséquences. Alors, on reprend les vidéos, les rythmes, tranquille. Ça va bientôt être la réouverture de la carte. Maintenant, Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Je vous montre mon montre matériel, je vous montre mon montage, mon montage type. comment je pêche en début de saison. Enfin, n'hésitez pas. N'hésitez pas, posez-moi une question de vidéo et puis je la ferai dans la suite. Alors voilà, bon, en tout cas, je vous remercie pour les questions. Hein. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes qui sont encore là, qui sont toujours présentes sur la chaîne. On est 163, bientôt les 200 abonnés. Aux 200 abonnés, je fais gagner un gros gros lot. Un gros 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 cadeau. Bien cher. Ça vous intéresse? À 200 000, hein. À 200, pardon. Il reste pas beaucoup d'abonnés. Allez-y, abonnez-vous. Et après, je ferai une vidéo spéciale abonnés. Voilà, faudra répondre en commentaire. Je ferai un tirage au sort. Et puis. Un tirage au sort, tu sais, un petit chapeau avec les noms là. En vidéo, je sortirai et puis je dirai ce que la personne a gagné. Et puis du coup voilà, je vous remercie pour les questions, je vous remercie pour le visionnage. Je m'excuse encore de ne pas être présent sur la chaîne, mais ça va revenir petit à petit. Et puis voilà, prenez soin de vous, passez une agréable journée ou une agréable soirée, tout dépend quand vous regardez les vidéos. Et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Bonne pêche à ceux qui sont au bord de l'eau, bonne déroule. Et puis on se dit à bientôt. C'était Pêche Mania. Ciao.